Bonjour, je m'appelle Jean-François Lemoine, je suis professeur des universités en marketing à la Sorbonne et je suis responsable du M2 recherche en marketing. Alors l'objectif de ce master est de former des consultants en marketing et plus généralement toute personne aspirant à des fonctions marketing de haut niveau nécessitant une prise de recul par rapport à la fonction. Recherche, rigueur et mise en pratique opérationnelle des connaissances. Alors, deux étapes de sélection, une étape sur dossier où le candidat expose les raisons de ses motivations, les raisons de son choix à participer, à vouloir intégrer ce master. Et puis pour ceux qui ont été sélectionnés à l'issue de cette première phase, un entretien de motivation. Alors les modalités d'enseignement sont fondées autour de la recherche en marketing, c'est-à-dire beaucoup d'études de textes français, mais également et massivement américains, présentant les nouvelles techniques de recherche en marketing et permettant surtout cette prise de recul par rapport à la matière qui est nécessaire si on veut avoir, je dirais, une vision à caractère consulting. Les matières fondamentales enseignées dans cette formation sont la recherche en marketing, la modélisation marketing et un corpus important accordé à l'analyse des données. Alors, deux types de débouchés. Initialement, le M2 recherche était destiné uniquement à des gens souhaitant faire un doctorat en sciences de gestion pour aller ensuite enseigner en école ou à l'université, mais on constate que depuis 5-6 ans, 80 à 90% de nos étudiants eh bien, s'orientent justement dans ces fonctions de consulting, de création d'entreprise, consulting en marketing, et puis certains peuvent aussi être tentés d'évoluer vers des fonctions de direction marketing plus classiques. Eh bien, je vous invite à me retrouver à l'occasion du salon des licences et des masters de l'école de management de la Sorbonne.